Olympique de Marseille, on est là, allez l'OM, allez, 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 allez l'OM, et oui les amis, Néo 2 mars 9 7 4 13, et oui aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, et oui c'est le débriefing du match de l'Olympique de Marseille qui vient de se dérouler. L'Olympique de Marseille se déplaçait au stade de Angers face au SCO de Angers. Angers, oui, troisième derrière nous du classement, à 4 points derrière nous, Angers, et on est parti, et on a gagné là-bas, on a fait le boulot, c'est magnifique, on enchaîne les victoires, ça fait très bien plaisir, faut continuer, on enchaîne les victoires, et on n'a pas battu des moindres, on a battu les moyens, les petits, les gros, voilà, c'est déjà bien, on pourra plus parler, les chouettes et les boutiques, vous parlerez plus, vous fermerez vos gueules, et oui, parce qu'on a gagné, on vous a calmé, et on a commencé par battre Lille, qui soi-disant, qui était bon, qui était meilleur que nous, les Lyonnaises ensuite, on les a, oh là là, et on enchaîne, et oui, et c'est bien, il faut que ça continue, on garde notre place, si ce soir tout se passe bien, déjà, Angers était troisième, ils étaient à 4 points, maintenant ils sont à 7 points derrière nous, 7 points, donc on a 5 points minimum sur le troisième, c'est magnifique. C'est magnifique, il faut continuer. Et le prochain adversaire, comme par hasard, c'est qui? C'est Bordeaux. C'est le Girondin de Bordeaux. Le Bordeaux. Le Bordeaux. J'essaie de recopier des gains, même si j'ai un peu leurs expressions. C'est peut-être le contraire. Ils sont plus jeunes que moi, quoi qu'il arrive. Eh oui, les gars, on va leur faire boire du Bordeaux à ces inculés de Bordolaise. Eh, voilà. Et moi, je vous le dis, il faut gagner contre Bordeaux, encore à enchaîner. Et on va gagner, on va gagner. Comme aujourd'hui, je savais qu'on allait gagner. Bon, j'avais prédit 3-1. Tant mieux, ils n'ont pas marqué. Et on a gagné 2-0. On a marqué un but de moins que j'ai dit. Mais on n'a pas pris de but. Et on en a marqué 2. C'est magnifique. Superbe but. Le premier but. Coup franc. Payet qui sent. Le coup qui joue vite le coup franc. Passe décisive sur Sanson. Sanson. Pas d'entrée. Bim, 1-0. Bam, ça part de là. C'est magnifique. Alors que les 5 premières minutes, Angers s'amusait un peu avec nous parce qu'on n'était pas vraiment rentré dans le match. Ensuite, Sakai qui s'échappe, le guerrier samouraï qui s'échappe et tout. Il rentre dans la surface, il va presque marquer, mais bim, il se fait faucher dans la surface, pas violemment, mais assez. Penalty indiscutable. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à chanter, il n'y a pas à s'expliquer. C'est penalty indiscutable. Donc derrière, bam, Payet. Il marque et c'est magnifique. Et en plus, ça fait doublement plaisir parce que non seulement il marque pour mon club, et en plus, c'est mes origines. Et oui, c'est encore mieux. 9-7-4 représente. Big dédicace aux Réunionnais. Et oui, on est là, la même représente. Voilà. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça va continuer. Il faut continuer. Bon, un peu des petits déchets, mais on va pas se détailler aussi. Comme je dis souvent, l'arbitre, je sais pas pourquoi des fois il cible des fautes. Mais bon, l'essentiel, c'est la victoire. Il faut continuer. C'est bien de jouer comme ça. 90 minutes. Dès qu'il y a un match, dès que tu vas à fond, tu es l'OM, tu dois y aller l'année prochaine à la Ligue des Champions. Voilà, après on reparlera, ça va être un autre monde. Pour l'instant, on reste où on est dans notre saison. Il faut que d'ici l'année prochaine, on soit deuxième minimum et qu'on ait minimum 6 points d'avance comme il se doit sur le troisième, voire plus. Et c'est le top. Continue comme ça, allez l'OM, hein. Fuck Lyon, fuck Paris, hein. Et tu le sais, représente, big dédicace à toute la famille, Farid, Nego, Manolo, hein, Ojoux, Marjé, et tout le monde, frères, tous amis, le Couz, Raph, Bigalan, mon Couz, Jérôme et tout. Et voilà, et ce, vous inquiétez pas, big dédicace à vous, comme je dis, ceux qui veulent que je fasse big dédicace, envoyez-moi vos trucs, surnoms et tout, et je vous fais dédicace sûr et certain, il n'y a pas de souci. Bon les amis, eh bien, on se retrouve pour le prochain débriefing qui se déroulera dimanche, normalement entre 7h et 7h15, le quart de l'Olympique de Marseille, sauf vraiment cas exceptionnel, ça m'arrive, mais c'est rare, il y a des fois des problèmes, mais normalement il n'y en aura pas, c'est sûr et certain, le quart des joueurs, débriefing d'avant-match, comme je l'ai dit, je fais les débriefings d'avant-match, que quand le match se déroule au stade, à domicile. Sinon, voilà, je ne peux pas le faire, puisque l'avant-match, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire direct le débrief d'avant-match au Stade de Rome, parce que je montre le quart. C'est pour ça que je fais un plus genre de petits débriefs. C'est pas vraiment, mais bon, voilà. Je montre surtout le quart des joueurs de l'OM aux abonnés, à mes abonnés, ceux que ça fait plaisir. Allez, à plus, les amis. Néo 2 mars 9 7 4 13 représente. Allez, l'OM, victoire, logique.